Donc vous avez proposé pour l'exposition au musée d'archéologie de Lons un recueil de poésie. Oui. Ben ce n'est pas n'importe quelle poésie, c'est plutôt des chants que des poésies, et c'est du patois. C'est du patois, le musée proposait de parler de patrimoine, d'exposer ce qui, pour les uns et les autres, pouvait être le patrimoine. Et moi, j'ai proposé le patois parce qu'il y a beaucoup de patois, de patrimoine auquel on s'intéresse, le patrimoine bâti, les arts, les sculptures, toutes ces choses-là, l'histoire, on s'en occupe. C'est le deuxième. Et Christophe. Alors Grégoire rentre chez Christophe et un matin, et il lui dit, écoute, tu n'as pas entendu tout ce bruit cette nuit, qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Il dit, non, non, ben écoute, on dit que c'est Jésus qui est arrivé sur la terre et qu'il est dans une étable, pas loin d'ici, et moi je vais lui rendre hommage. Alors Christophe lui dit, ben non, écoute, tu as bien le temps, viens, on rentre boire un coup. Et puis il y a tout un dialogue comme ça entre les deux hommes. Voilà, et c'est. J'aimerais bien vous la faire entendre. Beaucoup, mais le patois, enfin, on l'a oublié par la guerre. C'est vraiment, vraiment fini. Ça tombe à l'archéologie, le patois. On peut jeter un coup d'œil à un ou deux pas un ou deux Noël? Oui, ce qui met en scène deux vignerons, Grégoire et. Je compare vos êtres maintenus, que ce n'est-il vos arts d'être des insupis, qui des ovules au-delà de l'église, ces deux gâchons carichalons que poutez vont un gros falot, quand l'évoquement l'obise. Que sans me semble étreinte, ne vaut pas entendu. Tout ostonnez que faisait tant de bruit. Y criez-vous pour faux, ce n'est pas xénophobe que dû pour finir nos témoins, tout nu entre deux animaux, était dans un étoble. Réveillez vos compars, on les voit ravassis, du tout nu sur l'autar, bon, bon, vos laissons-y, entrez, voyons l'outeau. Et nos bouteilles, nos empereurs en coudeau, pour chasser tout vous tes griots, sans qui faire au marveille. De ta des énomites, je n'ai pas le laissis, c'est vos chez nos tuguites, lui dire de venir. Adoris tu poupon, qu'est-ce dans cet étable? Tremblant tout mon ingre volant. Entrez tous de point de façon, boutez vos tiotoblos. Eh ben, pour écompare, crêtez-vous bonhomment, que du poulu barbare naître si pour roman. Lucote tous les trésors, tout bain en sa puissance, y serrait tout chamarido, et l'airait tout sans qu'il y faut. Oh, ça que je me pense. Qu'aimant vos incendiaires qui ne tenaient qu'au même on pourra compare s'il est d'ince venu. C'est pour nous retirer en faisant pénitence du bourbier s'était plongé Adam pour son maudit gousier d'oveux son descendance. Oh, ça, bon courage, vos palais en doute. Elle est vrai qu'au bout de on peut ben sauver tout. Mais pour nous racheter et pour calmer son père, il n'avait encore le souhaiter et pu montrer sa volonté. Avais-tu tant offert? Vos me rentrer la tête, vos fêtes l'entêter. Moi, je suis une bête de si t'en disputer. Dis quoi, tant je m'en vaux pour lui rendre visite. Oh, ma désirée, d'en et peu n'en voir un qui auto.
Venons donc tout de suite. Par Saint-Chinot, tu guettes, mais ne retardins pas. Elle désette prête, car il est des autant. Rêtez-moi un peu, reprenons-nous ta laine. Oh, vous allez toquement un fou. Ça boye un bois chèque un coup, j'arriverai sans peine. Donc votez boyoule, que vous êtes lambin. Toutes votes péroules ne sont que pour le vin. Mais que dira de Jésus en voyant vous te trogne? On reste. Bon, on coupe. On coupe. J'en bois un coup. Allez. On en est à combien de couplets là? On s'en va être bientôt fini. On est au dixième. Ah oui, c'est l'intégrale là. C'est où toi? C'est l'intégrale, oui. Tu veux boire un coup, toi, peut-être, parce que t'as. T'as vu ton verre? Non, moi, j'ai pas soif. Ah, ben bah, moi, j'ai soif. Bravo, bravo. On va reprendre juste au début de celui. Vous voulez boire un coup? On va finir, on boit un coup. Je suis pas forcément toujours en face de la caméra, moi, je te gigote trop, moi. Ouais. Même temps, vaut mieux voir mes talons, mes doigts. Allez, on reprend. Donc votre boyoule, que vous êtes lambin, toutes vos péroules ne sont que pour le vin. Mais que dira de Jésus en voyant vous te trougne, au reste qui se muque lu, que vous coûtez quand vous avez bu dans l'opio d'un ivrogne. Tenez, voit-il le grain de la vous et cet enfant. Vous êtes bien les zinges, quittez le firmament. Pour venir nous servir, d'auveux au pour mère, qui ne feront que de Jamie, que de le voir et de le scientir, plondi dans l'eau misère. Eh bien, est-ce nos faubles? Non, je suis condamné. Mais du dans un étable, dans suis plus qu'étonné. On l'invite courin, lui offrir nos tomates. Regardez, voici un chemin que trouve toute l'offin. C'est je crée le possade. Mon Dieu, dessus l'autar, on va venir dans Pouno. Pour finir nos tongards et puis tous nos témoins. Grand match pour le bain que vous nous allez faire. Ben humblement, non, pour rien d'être toujours notre soutien et nos servis de père. C'est tout, hein? Puisque c'est lui tes crimes que vous faites en partie, je conclue et j'estime qu'il faut se combattre. Tout mon plus grand défaut, c'est dormir un peu moins. Mais pour vos pères, je m'en vais sans plus étendre mes folios, le biberon Grégoire. Bon, alors, faudra nous dire. Alors, puis c'est qu'on peut pas visionner ce que... Racontez-moi un peu l'histoire en quelques mots. Là, l'histoire. Comment? L'histoire que vous venez de chanter. Vous pouvez nous raconter en français en quelques mots? Bah, en quelques mots, c'est... Mais c'est l'histoire d'un gars qui a cru voir dans la nuit quelques bruits extraordinaires, puis... Il va voir, il trouve le compère qui lui dit aussi. J'ai vu quelque chose d'étrange toute la nuit, des anges qui faisaient beaucoup de bruit. Ils criaient si fort. Ce n'est pas une fable que Dieu, pour guérir tous nos maux, est né dans une étable. Alors l'autre, ben, il a bien entendu le bruit, mais très surpris, il répond réveillez-vous, compère, est-ce que vous allez rêver? Dieu est tout nu sur la terre, mais est-ce que vous l'avez songé? Entrez voir à la cuisine, j'ai là une bonne bouteille. Nous en boirons un coup ou deux pour chasser tous vos griots. J'ai pas la traduction en français. Cela fera merveille. Alors, de tarder une miette, je n'ai pas le loisir. Je vais chez notre guide, prénom, lui dire de venir adorer ce poupon qu'elle a dans cette étable, tremblant tout comme un grevelon. Grevelon, c'est un gros, c'est un frelon. C'est le nom patois du frelon, il n'est pas si patois que ça. Grevelon. Tremblant tout comme un grevelon. Entrez toujours, point de façon, mettez-vous là à table.
Et il répond, alors il commence à redire, « Eh bien, pauvre compère, croyez-vous bonnement que Dieu, pour les barbares, naîtrait si pauvrement ? Lui qui a tous les trésors, tous les biens en sa puissance, mais il serait tout chamarré d'or, il aurait tout ce qu'il lui faut. Oh là là, quand je pense, hein, c'est un peu ça. Bon, voilà, alors il y en a un qui croit ferme que c'est bien ça que c'est arrivé, et l'autre qui hésite, qui n'arrive pas à croire, quoi. Mais il a bu un peu plus que l'autre aussi. Ouais, peut-être, oui, peut-être, oui. Mais oui, tenez. Bon, enfin, que m'en vaut Dieu sans genre, une phrase que je n'ai pas traduite, vraiment, que je ne trouve pas exactement le sens. Il ne tenait qu'à lui. Mais mon pauvre compère, s'il est ainsi venu, c'est pour nous racheter en faisant pénitence du bourbier où s'était plongé Adam pour son maudit gosier avec toute sa descendance. Alors, réponse du compère, oh, ça, bon courage, vous parlez en docteur. Il est vrai qu'à votre âge, on peut bien tout savoir. Mais pour nous racheter et pour calmer son père, il n'avait rien qu'à le souhaiter et puis montrer sa volonté. Est-ce qu'il y avait tant à faire, hein, de dire, parce qu'il avait voulu, il n'avait pas besoin de ça. Vous me cassez la tête. Je n'avais pas ça. Vous me rentrez la tête, vous me cassez la tête, vous faites l'entêter. Moi, je suis une bête, pourquoi faire tant de disputer? Je suis pressé, je m'en vais pour lui rendre visite. Oh, alors là, je vais avec vous. Et puis, nous verrons qui a tort. On m'a dit un nom qu'on n'a pas traduit non plus. On m'a dit, j'irai d'Ovevo, et puis, on m'a dit, j'irai avec vous. Et puis, nous verrons qui ont tort, puisque vous avez l'air d'avoir raison, moi, j'ai pas. Alors, passons chez notre Huguette. Par contre, cousine ne sait pas. Mais ne retardons pas, parce qu'elle doit être prête. Car il est déjà tard. Alors, le plus vieux, ça doit... C'est pas prévu, ça. Ça doit être moi, non. Arrêtez boire un peu, reprenons notre haleine. Vous allez tout comme un fou. Si on buvait chacun un coup, j'arriverais sans peine. Donc, vous, t'es voyoule, le fameux dernier... Enfin, avec votre boisson, votre boyoule, je ne sais pas comment, votre boisson, votre façon de boire, votre envie de boire, que vous êtes lambin, toutes vos paroles ne sont que pour le vin. Mais que dira Jésus en voyant votre trogne? Au reste, qui sait mieux que lui que vous couchez, comme vous l'avez bu, dans la peau d'un ivrogne? Tenez, voilà la grange, là où est cet enfant. Voyez-vous bien les anges quitter le firmament pour venir le servir avec sa pauvre mère qui ne fait rien que de gémir, de le voir et de le sentir plongé dans la misère? Eh bien, est-ce une fable? Non, je suis condamné. Mais Dieu dans une étable, j'en suis plus qu'étonné. Allez, on vit, courons lui offrir notre hommage. Regardez, voilà un chemin qui traverse toute la fin. C'est, je crois, le passage. Et la prière qui termine où on s'est arrêté. Mon Dieu de sur la terre, vous venez donc pour nous, pour finir notre guerre et puis tous nos maux. Grand merci pour le bien que vous allez nous faire. Bien humblement, nous vous prions d'être toujours notre soutien et nous servir de père. Ce à quoi il y a encore trois couplets. Mais bon. Point. Point pour nous. Donne-moi voir un coup. Ah, toi. Ça fait soif. Ils me font causer, là, puis ils me filment. Moi, je voudrais qu'ils n'en gardent pas beaucoup. Je veux bien raconter des histoires. Vous voulez quoi, vous? Je suis encore en... On a un coup de jaune, les chefs, là. Bon, moi, j'ai le saut rouge, moi. Dans la crèche, il y a assez peu de... Les gens disent c'est du patois, on n'y comprend rien. Non, il y a trois personnages qui parlent uniquement patois. Les autres, c'est entre parenthèses, c'est les étrangers qui viennent faire leur adoration à la crèche. Il y a le bougna, il y a la coquette, la vieille femme qui tousse, la religieuse, l'avocat, ils parlent français, ceux-là. Ils sont souvent interpellés donc par les trois compères, les deux compères et la femme qui sont là, les trois autochtones qui testent les gens qui vont faire leur adoration. C'est comique, moi j'adore ça. Oh, ça vaut pas les variétés d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est tellement haut placé que... Donc c'est pas la première fois que vous la chantiez.
Comment ? C'est pas la première fois que vous chantez. Ah non, moi c'est pas la première fois, Marcus, c'est la première fois. Il a tout fallu qu'il apprenne ça. Donc vous l'avez tout réappris depuis le début jusqu'à la fin. Ben, c'est-à-dire que. On se rencontrait assez souvent, bon, un coup chaque coup. Hein. Alors, on n'a pas trouvé le talent. Hein. Non, non. C'est pour ça que c'est un avantage que Pierre a, c'est que ce qu'il parle en patois, tout le monde le connaît en français. Et les gens suivent tout facilement. On suit les histoires, oui. Oh ben l'histoire, oui, comme la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, il fait aussi. Oh, de bonnes compares, vous êtes motenis, que c'est n'est dit vos diars d'être des insupis. J'ai des ovulions de l'église, c'est de quelqu'un pierre et chalot que poutez vos groufolos. Collez-vous mon lobise. Que ça me semble être Inde, n'avez-vous pas entendu? Tout ostonné un Inde, que faisait tant de bruit? Il crie à vous pour faux, ce n'est pas énophoble que de pourfrir nous nos témoins tout nus entre deux animaux étaient dans un étoble. Comme les fables de La Fontaine correspondent assez bien, que tout le monde connaît, parce que le patois, pratiquement plus personne ne le connaît. Donc j'ai pensé que ce serait bien de faire quelque chose que tout le monde connaît en patois, de façon de pouvoir suivre plus facilement. Moi, je les ai appris à l'école, mais les tiennes sont beaucoup plus belles. Hein. Oh, oui, oui, c'est oui, les mêmes. C'est les mêmes transformés. Monsieur de La Fontaine ne serait peut-être pas trop d'accord, je ne sais pas. Quand tu veux, ouais. Tu veux commencer par laquelle? Oui, ben on va déjà commencer la cigale et la fourmi, et puis si ça va bien, on en dira une autre. Voilà, la cigale et la fourmi, alors. Oui, tu devrais te mettre debout, non? Non, c'est bien. Voilà. Non, il joue plus quand il... Je trouve. Je sais pas, ben on verra bien. On verra bien. Temps. T'as oublié de mener ton chien aussi. On va prendre le chien, tiens. Allez, eh ben, je te donne le chien. Tiens. Oh, s'il veut y aller. Bon. Voilà, ça. Alors, une cigale que n'a pas un goût de plomb dans le ciboulot, a de santé tout l'été pendant que les autres travaillaient. Mais où est-il le vent qui arrive? Le pleuzo, les brunes. Oh, où est-il en aide? Et puis, venez à mon soulier, j'ai oublié de moi ce n'est. Je n'ai rien non plus à ma voûte, mes veines sont en frites, et je n'ai point planté de poumetta. Ben, qu'est-ce que tu veux devenir si tu vas? Oh, et tant est, j'ai une idée. J'en connais une, l'offremi. Oh, pas l'offremi rosso, bien sûr. Le gros anère. Et là, on a d'ailleurs un statue. Et puis, si vous voyez tout ce qu'elle a dans cette fois, du pain, du mie, des poumets, des cassots, des mzeuilles, des févioles qu'elle a récoltées dans son coucher, et puis dans sa voûte, un tonneau de plossard, un tas de poumettard, un poids au salaud, un livre de pendu, un abégasse, un tsevreux, un cinguiard, et puis dans son gadamti, du fromage, des œufs, de l'oferna pour faire des crapets, et puis dans son poulailler, des poulailles, des ptopucins, des canards, un dindon. Oh, ben, avec tout sentier, par moyen qu'elle m'emballe pas un peu plus du vent. Je m'en vais aller la trouver. Mais, ça n'est pas une acmode ou statier. À ce que je dis, elle est courte sur un poil pour avoir la pio. Enfin, allons tous, on verra bien. Elle habite petite, né, à l'avril de l'obise, dredaris tu grattes-tu.
Je m'en vais m'essuyer la pied devant ton frère pour pas te s'empêcher de l'honnête tout de où est-il au pauvre? Mais elle l'a bien varié. Toc, toc. Mais est-ce qu'on ne dirait pas que ça frappait? Toc, toc. Oh, mais c'est que ça frappait. Ben, jusque peut bien venir, tiens-moi ce tour. Je ne m'en vais rien répondre. Toc, toc. Ça ne répondra. Elle n'est peut-être pas de ses lits. Oh, lorsqu'elle pourrait bien être à ce tour. Elle ne doit pas être bien loin. Oh, il y a de l'offre-mur sur le tait. C'est bien qu'il y a du feu de l'autre somnia. Et puis, où est-il de sur l'escalier? C'est bien qu'elle est chier. T'es-tu? T'es-tu, Zali? Oh, c'est bon. Il veut falloir que ça y ouvre. À nous voir, tu sais. Tiens, l'ocigale. Qu'est-ce que tu vas faire, Timas, tout? Ben, je vais t'expliquer. Cet amant, il fait pas tour des ours. Laisse-moi rentrer une minute ou va le feu. Mais non, il fait pas frais. T'es bien de faux. Et dévite ce que tu veux, que tu ailles mieux que tu. Oh. « Tu ne veux pas me laisser rentrer un minuto à l'auto? Je t'ai riboyé un coup de main pour effouiller le troutier ou pour messer ta cuisine. Moi, quand je vais rentrer, tu sais, moi, tu sais, il y aura une funlue, une pique-neugure. Toi, tu sais, toi, tu feras ce que tu voudras. Tu sais, moi, c'est moi que te demande. Et dévite ce que tu veux, que tu ailles me cul, tu sais. Ben... où est-il eu va qui arrive? Et puis, venez me dit, cet amant, j'ai appris que tu avais tué le pauvre. Alors, je vais voir si tu pourrais m'envoyer un togo pour ce que tu vas. Hein? T'as bouillé mon pauvre? Ben, t'as un sacré toupet. T'as ramdi? Eh ben, je t'emmerde. Et puis, pour qui est-ce que t'as ramdi? Qu'est-ce que tu as fait cet été quand sous l'aubriot? Ben, pour tout dire, j'ai de santé. Ah, t'as de santé! Ça me fait gros de bain au cœur. Mets ton cas dedans, si moi, tiens. Bon, c'est ma petite. Ah, il y en a, il y avait une belle corbe, là. Il y avait tout du lièvre, du chevreuil, oui, du sanglier. C'est pas pour autant, que lui en a donné. C'est une fourmi chasseresse. Jusqu'au sanglier. Et du poulet. On va essayer. Bah, une de mes grand-mères ne parlait que patois. Par contre, quand il venait quelqu'un, elle parlait un français impeccable. Elle prononçait toutes les syllabes, je vais chercher à manger. Ah oui, elle parlait un français comme ça. Elle parlait un français impeccable, mieux que nous, puisque nous, on mange la moitié des mots. Ouais. Mais par contre, entre nous, elle ne parlait que patois. Et, mais on répondait en français. D'accord. C'est la connerie qu'on a fait, on aurait dû répondre en patois. Ouais. Et puis mon père parlait patois aussi, mais comme il n'avait personne, souvent ses phrases commençaient en patois, oui, oui, et puis il s'en apercevait, alors il repartait en français. Ouais. Pour mes sauvages, que tu as dans son bête, on fromage. On tourna, n'avons rien dit depuis 8 jours, clair en éventaire, ses portes, leur gorge, macro, terre en gros, ben, mi moignant. Si tu sentes bien que t'es nippé, terre en le moyeu aux yeux de la région. Où est-il, mon vieux bête? Pour faire voir qu'il s'est de santé, que vous le bêtio. Et puis le fromage au petit bas. Le ptorna les trappes. Nous stutier. Ah, mon vieux, je vais te prendre une atteuse. Tout ce texte ayant bien causé, vivant,
et dépend de ce que les études. Et puis, un alçon que mon statif ou bon fromage. Voyez mon vieux négro, voyant qu'il se te fait rouler, que ça fasse, tout route. Il dira le nom du Dieu qu'on ne reprendrait pas. Mais il est trop tard, le fromage est en dit. C'est un beau corbeau, tu vois. Un Quignan tout rouge, c'est un beau. Un corbeau Quignan tout rouge. Ça a vu chez vous, il est tout rouge. On va voir ce discours de mer, là. Ah oui. Hein, si on... Pendant qu'on y est. Ah, c'était le maire d'une petite commune, comme à l'époque, agricole, viticole, comme ça serait plus bien, ça pourrait être aussi bien Montigny, Villette, Badan, etc. Et puis ce maire avait souvent un peu de problème quand il fallait dire un petit discours aux jeunes mariés après les avoir unis officiellement par les liens du mariage. Un jour de pluie, il a dit oh, je vais en faire un que je vais dire à tous les mariages. Il a pris sa plus belle plume et puis il a fait un petit discours. Alors voilà à peu près ce qu'il pouvait dire. Mes peuroutons, auprès les peroules officiels et réglementaires, que besoin de prononcer tu devant vous pour vous unir par les liens du mariage, je ne voudrais pas vous laisser décamper sans en articuler d'autres. D'une rigidité plus délicate, c'est-à-dire d'une mollesse plus caressante que seront belles circonstances dans ce jour solennel. Depuis que vous avez comparu devant mon personnalité, investi des pouvoirs ou adéquats susceptibles de procéder à l'union de deux individus, je vous considère comme deux conjoints. Et je suffis d'en être l'auteur. Attendu que j'en suis honte moi-même depuis plus de 30 ans et que je n'ai jamais eu à m'en plaindre. L'association de l'homme et de l'ophane, c'est que Moldios Ben Monsieur Larousse, l'écrivain bien connu, dans le dictionnaire que m'a prêté l'instituteur. L'union de dos, c'est ce que différent. Que ça puis ou l'on sur l'autre pour écarter les difficultés de la vie. Vos allées moitiantes se minaient côte à côte, par le sentier bordé de roses et d'épines, que moine à la vieillesse heureuse qu'on attend de moi acquérir quand on est rendu, nous. À cette vieillesse que vous faites dire quand on est rendu, a vu l'autre joie que n'a d'égal que c'est à qu'on a pareil ou cas. Joie m'rie, mais c'est bien vêtu. Mais avant, il vous faudra surmonter les obstacles parasitaires que sont pour le pas de l'homme ou que débutent dans la vie, ce qui est relornir à du chemin à l'op pas de vieux en bas âge qu'au moins nous allons prévoir pour le premier coup. Faut-il avoir la volonté de ce qu'on veut pour pouvoir faire ce qu'on peut. Il n'y a qu'un moyen. Partir la main dans la main en travaillant des dobrets pour cultiver l'autor que nous allèguent nos tes ancêtres et en soignant le bétail que fait la fauche de la nation dont il suffit d'être utile représentant. L'amour. Avec un vache majuscule, servant la plus belle institution de la République. Vous, l'autre nous épousait, votre mère, respectable en larmes, vos boyeras, tu sais, les conseils du Zard, devant que votre époux, vos œuvres et tout est grand, escret de l'amour. Quant à vos mon gâchon, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse les coules. Attendu que vous avez tous vêtu parmi nous et que la vue des animaux vous a sûrement fait comprendre ce que c'est que la vue humaine.
C'est pour que nous avons coupé Tim au brin sous le flou de rhétorique, en vous renvoyant et fou nous agape, que vous n'allez point manquer de me dire au cours de votre panneau, et en profitant de ce que vous êtes-il au parolou en main, pour vous aviser que je viens de recevoir une nouvelle amorque d'engrais minéral pour les Bolognes, que je tiens à la disposition des cultivateurs de toute la région pour le prix de 100 francs le quintal. Vive la France, vive la République, vive la mariée, car on est indivisible. Oh. Ça va répéter, il n'a pas accroché tout ça par cœur. Ouais,